J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce qu'on va parler simple et efficace. Je pense que vous avez marre de regarder des produits terminés de 35 minutes ou des vidéos sponsorisées. Donc du coup la meuf elle suce la marque parce qu'on l'a payé pour. Aujourd'hui il n'y en a aucun partenariat, c'est des produits que j'ai moi-même acheté à part un seul mais que je vais vous parler parce que je l'aime trop, que je l'ai depuis 2 ans. Ouais, je l'ai racheté une fois. En tout cas aujourd'hui je vais vous parler de 5-6 produits qui marchent, qui sont pas très chers et en tout cas qui marchent vraiment. C'est pas des trucs de fou mais c'est des produits dont j'ai envie de donner mon avis parce que je pense qu'ils peuvent vous changer la vie ou vous aider, vous éviter de faire de faux achats ou de mauvais achats alors que ceux-là ils sont bien. Et bien évidemment c'est des produits qui marchent sur moi, ils marcheront peut-être pas pour vous mais en tout cas j'ai tenu bon de vous parler de certains bons plans et des trucs que moi-même je rachète tous les mois et enfin ça dépend enfin quand ils sont finis quoi. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Alors, la première chose dont je vais vous parler c'est cette huile de chez Cattier, donc je pense que je vous en ai déjà parlé parce que c'était la marque qui m'avait envoyé ça il y a un petit moment et là les cheveux quand même assez longs et du coup j'ai besoin de produits très riches pour me les entretenir et essayer qu'ils ne soient pas ni gras ni secs etc. Donc avant j'avais fait un blond platine, bon on le voit presque plus mais il y a quelques mèches qui restent par-ci par-là et là je deviens de moins en moins blonde, enfin je suis blonde de base mais plus je grandis, plus mes cheveux poussent, plus j'ai les cheveux foncés, donc ça me pose pas de problème parce que c'est ça que je voulais et je regrette beaucoup d'avoir fait une coloration blonde. Bref, en tout cas j'ai vraiment besoin d'hydrater surtout mes pointes et en fait je suis toujours à la recherche de nouvelles huiles etc. Donc l'huile que je mettrai ici que j'ai en 2 fois dans mon stock de produits, donc c'est une huile de chez Schwarzkopf que je rachète souvent sauf que là j'ai envie de tester une autre et celle-ci me convient beaucoup plus, huile sèche, donc ça s'utilise pour les cheveux et aussi pour la peau, donc j'ai jamais utilisé pour la peau, j'utilise la nuque cela exclusivement, celle-là elle est vraiment top. Alors par contre vous mettez juste 2 pchites et vous en mettez vraiment juste au bout, genre pas plus que là, c'est hyper graisseux, donc en fait vous en mettez qu'aux endroits où c'est extrêmement sec pour que ça devienne normal, parce que moi genre des fois j'en mets jusque là de l'huile, faut pas faire ça mais je le fais quand même et en fait je l'ai fait une fois et j'avais les cheveux gras toute la journée parce que mes cheveux ici ne sont pas secs mais là oui, donc du coup faites très attention à ça parce que ça m'a valu d'utiliser une gamme de shampoing et de me laver les cheveux le soir en rentrant parce que c'était dégueulasse et d'avoir les cheveux gras toute la journée, enfin c'était horrible. Sinon ce produit je vous le conseille vachement parce qu'il hydrate hyper bien, je crois qu'il est pas très cher, sinon c'est pas un achat inutile encore une fois. Ensuite la deuxième chose dont je vais vous parler, donc là j'en ai pris 2 parce qu'elles étaient à côté, mais c'est des crèmes corporelles parfumées de Nina Ricci Amor Amor, c'est des parfums que j'aime beaucoup beaucoup et qui tiennent quand même pas mal sur moi toute la journée, sauf que c'est quand même assez cher et ben voilà je vais pas m'acheter des parfums tous les jours. Du coup j'ai trouvé un équivalent, donc en fait c'est des crèmes donc c'est beaucoup moins cher, genre c'est vers 20-25 €, c'est vraiment top parce que déjà de 1 ça vous hydrate la peau, ça vous parfume et ça tient beaucoup plus longtemps et c'est beaucoup moins cher donc plus rentable, donc je vous conseille vraiment d'utiliser des crèmes comme ça, donc ça colle pas à la peau, ça pénètre vite, en tout cas pour les 2 comme ça, au lieu de dépenser hyper cher dans des parfums. Après certes quand on vous offre un parfum, c'est toujours mieux d'offrir un parfum qu'une crème corporelle. Si c'est vous qui vous faites vos achats parfums, n'hésitez pas parce que c'est beaucoup beaucoup moins cher et mieux. Un truc dont je vais vous parler c'est des petits sprays pour les cheveux, en fait ça fait hyper du bien à vos cheveux, genre ça les hydrate et tout, et si vous avez les cheveux secs ben ça vous les rend un petit peu plus gras, enfin ils sont pas gras mais plus soyeux on va dire, et moi j'en ai 2, j'en ai un de chez Revlon, donc lui je pense que vous le connaissez, il est assez connu, c'est là où il y a le 1 dessus là, et ensuite il y a le Subtil, donc ça c'est une marque pas du tout connue, je préfère celui-là, il nourrit, reconstruit etc, et je sens vraiment un avancement dans mes cheveux avec ces 2 petits trucs là, je vous conseille vraiment d'essayer et je vous parle de ceux-là parce que eux je sais qu'ils marche. Lui quand j'en avais parlé à un moment, il y en avait plein de gens qui me disaient oh je l'ai, il est trop bien, ou même un pote à moi qui est dans ma classe m'a dit ma soeur elle l'a, il est top, enfin voilà franchement pour moi ça c'est une valeur sûre. Après ça c'est peu connu donc j'essaierai de vous le retrouver, mais je l'avais eu dans un grand lot avec plein de shampoings et tout, donc je sais même pas où on peut le retrouver. Ensuite une crème que j'ai oubliée là sur ma table de maquillage mais je vous la mettrai ici, c'est une crème de chez Mixa Bébé, je vais en parler très peu, pourquoi, parce que j'en parle déjà assez, comme demande c'est quoi ton geste on va dire beauté ou ton truc que tu fais tout le temps, ben moi quand je me réveille
je me mets de l'eau sur le visage, de l'eau gelée pour me réveiller, et je mets cette crème là. Et donc ça sert à rien d'acheter une crème à 45€ à Sephora, revitalisant, boost, nanana. Cette crème est très bien, ma mère me l'avait achetée quand j'avais bossé en plein soleil il y a 2 ans, alors que c'était pas ma crème de d'habitude. Moi j'avais des crèmes que de partenariat, etc., ou que je m'achetais pas cher et tout, mais celle là vous la trouvez au rayon bébé. Et c'est top, genre elle est pas chère, elle dépasse pas les 3€, ça c'est sûr. Et elle est abordable, cool, elle se termine pas vite et je l'aime, voilà. L'avant-dernier truc, pardon, dont je vais vous parler, c'est cette crème libre de chez... cette poudre libre, pardon, de chez Yves Rocher. Donc elle est neuve, je vais pas l'ouvrir parce qu'avant c'était un packaging marron et je suis encore au marron parce que j'aime tellement que à chaque fois que j'y vais, j'en achète plein d'affilés et du coup, ben, j'en ai tellement acheté plein d'affilés que j'en suis même pas aux nouvelles. D'ailleurs, ils vont bien nous changer de packaging et j'aurai encore les anciennes des nouvelles. Bon, bref. En tout cas, c'est une poudre qui se fond bien dans votre peau. Si vous voulez vous maquiller mais pas trop, avoir un teint assez frais, vous mettez ça, vous n'avez pas besoin d'en discerner de fond de teint, etc. Le seul bémol, c'est que vous devez faire des retouches au moins une ou deux fois dans la journée. Franchement, si vous avez un rouge à lèvres sans transfert et que vous avez que votre teint à vérifier de temps en temps, franchement ça va. Et pour le prix, elle est cool. J'ai pas trouvé pour l'instant, malgré tout ce que j'ai testé, une poudre aussi bien que ça. Donc c'est une poudre libre, elle colore pas. Bon, c'est celle que j'ai là et après je me suis maquillée à la pelle là, mais franchement je vous la conseille vraiment beaucoup. J'aime pas forcément la marque Yves Rocher, enfin, c'est pas une marque vers laquelle je me dirige tout le temps, mais j'aime trop, voilà. Merci. Ensuite, le dernier truc dont je vais vous parler, j'en parle en dernier parce que je pense qu'on vous rabâche avec ça. Il y a beaucoup de youtubeuses en ce moment qui font des partenariats avec Baptiste, donc c'est peut-être pour ça que vous les voyez beaucoup. C'est pas des trucs hyper chers, mais elles se finissent assez vite, en tout cas pour moi. Les Garnier, faut faire attention parce qu'ils vous graissent les cheveux. Il y a beaucoup de mauvais produits dedans. Pendant la journée, en fait, ils tiennent que de genre de 8h à 10h, genre méfiez-vous. Ensuite, il y a les Chlorane qui sont pas mal, mais les Baptiste, ça reste mes préférés. En plus, je vais jamais en pharmacie. Quand je suis malade, je me prends pas de médicaments, enfin je vais jamais chez le docteur et tout, donc j'ai pas de raison d'aller en parapharmacie acheter du Chlorane alors que c'est plus petit, plus cher et moins bien, alors que les Baptiste ils sont cool. Donc du coup, n'hésitez pas à acheter ceci pour vous éviter de dépenser 100€ en parfum, n'hésitez pas à acheter ceci pour le bien de vos cheveux, cela à tester parce que ça hydrate, ça nourrit, ça protège et ça vous fait de beaux cheveux, et ceci pour pas voir vos boutons. Je crois que j'ai tout dit, et n'oubliez pas d'acheter la crème hydratante parce qu'elle hydrate bien, elle est inodore, elle est pas chère et vous la trouvez partout. Voilà, donc là si vous achetez tout ça, vous vous sentez bon, vous avez pas une peau dégueulasse, vous ruinez pas et vous avez des jolis cheveux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir une vidéo comme ça plus tard, bon, j'ai pas de produit mieux que ça dans ma chambre malgré tout ce que j'ai testé, donc ça sert à rien, peut-être dans quelques années, dans quelques mois. Si vous avez des idées de vidéos ou des envies, surtout n'hésitez pas à me le dire, je les ferai. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, petit like, voilà. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo. Bye. Regarde mon cœur, il n'a plus de grillage, mais personne ne risque d'y entrer. L'absence de lumière fait que je suis dans le noir. On se livre parce qu'on fume quelques noirs.